Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur c'est quoi ça? Un grand navire de transport. En tant que baronne, Sur Anno 1404 je serais heureux de vous aider. pour un nouvel épisode. Et j'ai tourné l'épisode précédent il y a peu à vrai dire, en théorie. Mais en pratique, je me suis fait tuer. Votre colonie est en flammes. Ouais, je sais, ça brûle toujours. Ça avait commencé dans l'épisode précédent. Mais mes pompiers étant au nombre de 3 dans cette région-là, ils devraient réduire l'incendie, même s'il y a encore la révolte. On va les laisser terminer. On va se caser au milieu. Pas prendre trop de risques. Attention! J'ai l'impression d'avoir chargé une trop vieille sauvegarde. Mettez-les en pièces. Je suis pas sûr et certain, mais c'est de la coercition. Nous sommes prêts. Un incendie géant détruit votre colonie. Bon, je sais plus, je crois pas que ce soit une très vieille sauvegarde. Ouais, je me suis fait détruire mon château. Ça, je le savais déjà. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Quoi? Flotte d'intervention sauveuse un de bateau arrive. Un très bon divertissement pour la population. Hop, il un nous tournoi. Faut des fanfares pour annoncer l'événement. Ben, il a encore des captures. Quoi, je peux pas en savoir plus. Ah, il est là, voilà. 20 minutes. 40 minutes. Ah oui, parce que celui-là, il est trop loin en théorie. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Voilà, donc fallait que j'amène de la pierre. Hop et hop. Est-ce que je me suis fait couler un navire qui était dans une route? Oui. Donc lui, il va prendre un petit navire de guerre. Attendez, où est-ce qu'on peut déposer le bois? On va juste le jeter à la mer, ça vaut pas énormément le bois. Tant pis. De ce côté-là. Prenons des outils et de la pierre. Surtout de la pierre d'ailleurs. Je crains que vous n'ayez sous-estimé le problème. Vos gestes de bonté et vous. Il faut vraiment que je reste ami avec la baronne. Ah, j'ai trop de pourpoints. Vous ne voulez pas aller harceler quelqu'un d'autre? Viens me couler ça, toi. Un navire prestigieux. On est parti. Donc, je voulais faire une petite noria. Avec pour objectif de monter la prod d'indigo et de monter la prod d'épices.
Les frontières entre l'Occident et l'Orient se rapprochent continuellement. Notre sultan m'a donc envoyé ici pour voir comment évolue la situation. Vous avez vu l'aisance avec laquelle ce chevalier a remporté le tournoi? Tout à fait. Les corsaires attaquent votre navire. Un de vos bâtiments est la cible du combat. Alors ici, il leur manque de l'indigo en fait pour produire à fond. Faudrait que je mette des routes de pierre, ça aidera. Moi, plus puissant, eh bien ça ne me surprend pas. Alors il trouve que Suki est plus puissant que moi, ce qui est sûrement vrai. Un incendie dévaste votre ville. Vous avez été vaincu au combat. Oh. Bah, il m'a détruit mon deuxième château, on s'en fiche. Revenons au milieu de nos eaux. Là, j'ai fait une grue de réparation. La production a été interrompue. On a trop de bois. On pourrait couper. On a trop d'armes. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Il est là. Nous avons pu appréhender cette crise. Ouh. Là, on est juste en tapis. Et il me faudrait des plans du sultan pour monter mes trucs. Va chercher des plans une carte chez lui pour acheter des trucs au sultan après. Là, tout de suite, continue à échanger. On a trop de pourpoints, mais c'est tout. Et si on a plus de pierres, donc on va en racheter. Un petit quelque chose pour le voyage. Donc j'ai misé sur le fait de ne pas faire les nobles. Parce que si je fais les nobles, il va pouvoir me mettre des maladies dans ma ville. Et... blablabla. Je ne refuserai aucunement une... Non, il refuse pas les transactions honnêtes. Les gars augmentés, ça coûte pas très cher. Si je peux vous plus. Aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à venir visiter mes... Taxes pour les pourpoints. On pourra encore monter les taxes pour les pourpoints. Histoire d'en recevoir plein. Je sais pas si c'est nécessaire. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. On va allonger tout de suite avec beaucoup. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit... Le nom du mercantile devrait être sur toutes les... Ah, il reconnaît que ma puissance est supérieure à la sienne. C'est qui ça? Ah oui, elle est en soutien avec moi, elle, du coup. Encore vous?
Oh, grand navire de commerce, c'est bon ça. On va aller lui couler. Grand Dieu. Pan. Bon allez, maintenant on va sur le sultan. Et lui, il va continuer à taper. Je suppose que vous ne pourriez. Bien sûr, elle allait dire. Je suppose que vous ne pouvez pas vous payer un tel navire. Bien sûr que si, je peux me payer un tel navire. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Ah parfait. Ah, il est là. Nous avons empêché nomades, ils sont le pire heureux, mince. Faudrait qu'ils soient juste satisfaits. J'ai pas nous besoin de plus. Nous avons empêché le pire d'arriver. Juste attendre. On va mettre des camps là. Marchandises ou informations? Quel est le bien le plus précieux? Deux joueurs se livrent une guerre sans merci. Oh, qui ça? Giovanni di Mercanti et la baronne. Amenez-vous un gage de votre amitié? Oui, c'est pour toi, mon gars. Vos efforts continus doivent être récompensés. Ah, fallait que j'ai 400, donc j'ai bien fait de prendre deux papiers. Serez-vous assez discret pour mener à bien cette tâche? Cette tâche? Pour pas en cuir, ouais. J'espère que je vais juste pas me faire couler. Ça m'embêterait, il me donnerait un charpentier. Alors côté vizir, j'ai débloqué une nouvelle gamme vous de bâtiments. Vous avez appris beaucoup de choses sur l'Orient. Non, parce que j'ai pas d'émissaire. Est-ce que j'ai de l'argile? Non. Bon, on va pas... En fait, le café, c'est encore plus tard. Bon, tant pis. On va pas pousser notre chance. Quittez immédiatement mes terres. On va bientôt avoir conquis son île. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Alors avec ces troupes là j'ai de quoi lutter contre les invasions terrestres, en plus il faudrait que je fasse des tours si besoin. Mes citoyens sont relativement contents. Et ne manquent de rien. Je pourrais augmenter leur nombre par contre. Les épices on est juste. On est juste en cidre, je ne savais pas. Là, il y a déjà un truc. Trois, il peut pas planter quatre. Si, mais après, il n'y a plus la place pour la route, c'est ça. Ouais. Alors, vous êtes revenu. Le résultat parle de lui. Le Conseil des Dix possède de nombreux navires comme celui-ci. Il leur fallait constitue des le cœur de notre pour redémarrer. Allez savoir pourquoi. Ah ouais, il pense tout seul à laisser une route. Et futé. Je le croyais pas aussi futé, moi. Oh, pour exploiter la pierre, là. Par contre, c'est vraiment loin. Il faudrait un bâtiment de marché dans le coin. Il y a
pas de l'autre. D'un autre endroit, il y a de la pierre, c'est là. Hop. Si on veut exploiter la pierre, exploitons celle qui est facile à exploiter. Ça me plaît. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Pas avec Gavin Langton. Votre réputation vous précède. Pot de vin. Quel... Ce n'est pas bien difficile comme mission. En effet, c'est pas bien difficile. Il suffit que je prenne mon grand navire. Ah, il doit être dans le sud. Moi, je le vois pas, mais... Ah, ça m'en... Ça m'embête, comment on va faire? Ouais, il est là, je m'en doutais. Il est censé faire quelle route là? Ah si, il fait la route quartz. D'accord. Il y en a trop de quartz. Je crois qu'il faut faire une deuxième verrerie en fait. Laissez-moi vous aider. Si on a trop de quartz et trop de potasse, je crois que je l'avais remarqué en plus. Non, on n'a pas trop de potasse. On va arrêter d'acheter le quartz. On va continuer à vendre le bois. Tout le monde y trouve son compte. Très bien. Question, est-ce que j'augmente mon nombre de paysans? Il faudrait pour gagner plus de sous. Après, je gagne déjà tellement de sous que je suis pas sûr d'avoir besoin de me développer tant que ça. Il vient toujours du même endroit, lui. Je me demande s'il est pas dans une maison là, par exemple. Nous avons empêché le pire d'arriver. Juste à temps, oui. On peut dire juste à temps, si tu veux. Par un pur hasard, vous avez rencontré un autre joueur. Ce navire jettera bientôt l'ancre dans votre port, Inch'Allah. Je sais que vous le voulez aussi. Est-ce que... Pas pour l'instant. Je vous ai bien compris. Ah, il a déjà monté trop le bateau. On va couler Fabuleux. Ce bateau avant. Une honorable transaction. Vous avez vaincu l'unité adverse. Ah ouais, il vogue vite, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, on va l'avoir quand même. L'épisode sera peut-être un peu plus court. On verra. Ça c'est bien. Toujours pas cette ville. Est-ce qu'il y a une ville autonome par exemple là? Ah non, il y a des maisons d'émissaires, donc elle doit pas être autonome cette ville. Deux joueurs ont conclu un accord de paix. Ah, mauvaise nouvelle. Oh, nous nous connaissons. Vous m'avez appelé une adore. Vous ne voulez le conseil des 10 vous remercie. Nous savons tout de le conseil des 10 vous remercie. Une juste transaction. Encore vous? Pourrissons-le aussi. J'ai plein de thunes, c'est dommage que l'objectif de guerre, l'objectif du jeu soit pas de gagner plein d'argent. Ma flotte n'a pas une immense envergure comparé à celle de notre puissant sultan.
rapportait quoi ça? De l'honneur et quelques pièces. Un de vos navires subit une attaque. Vous avez remarqué que vous étiez suivi? Je pense qu'il a vu mon bateau et qu'il s'est dit ok, on va le lâcher. Vous avez intercepté le navire à temps. Salam alaikum. Vous entendrez parler de moi. Pas avec Gavin là. C'est dommage que les IA retiennent pas que chaque fois qu'elles arrivent ici, elles se font couler et que les du coup elles arrêtent. Les navires de l'Orient sont parmi les plus rapides du monde entier. De venir là. Il retente sa chance à chaque fois et à chaque fois il se rend compte que... Oh! Il y a des méchants. Une transaction équitable. Il a acquis vous une action dans sa propre ville. J'étais à 1000 lieues de... Quel soulagement, n'est-ce pas? Tout sur Terre a... Ah, c'est cher les tapis. Si telles sont vos préférences. Mais je crois que ça rapportera plus quand même. Vous êtes plein les apporter. De ressources. Alors allons voir Sir David. C'est Lincoln. Un de mes meilleurs navires. Donc lui le vert là il m'embête pas vraiment. Je peux être en guerre contre lui sans souci. Constanza, elle est actuellement en guerre contre lui. Puisse Allah vous bénir pour votre conquête réussie. Ah non, n'utilisez pas. Bâtiment de commerce pris. Parfait. Dépêchez-vous. Levez le camp. Levez le camp. Cette ah si, il y a de l'eau en stock. Cette quantité d'argent est une somme insignifiante pour vous. Vous êtes extrêmement dévoué. Voilà, je veux pas me retrouver en guerre contre toutes les IA. Oh, ils sont tellement nombreux là. Vas-y, suivez-moi. Révoque leur traité de commerce. Vous ne voulez pas aller harceler. Ils ont failli me couler ce bateau. Voilà, où est-ce qu'il est l'autre? Les portes de mes entrepôts portuaires, marché conclu. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Alors, de quoi booster mon bateau? Pioche durcie. Productivité de carrière de pierre. Presse à cidre en bois. Vous avez peut-être changé d'avis. Ouais, j'ai changé d'avis. Marché conclu. La production a été interrompue. Alors depuis le temps qu'on attendait ça... Ah, j'ai pas les sources.
toute façon. Un de vos navires subit une attaque. Ouais, mais mon navire court vite. Un ennemi a débarqué sur votre île. Oh. Ah, sur cette île là, ouais. On fera probablement la paix avec lui avant la fin. Progresse sur votre territoire. Qu'est-ce que vous espérez ? C'est comme ça qu'on les tue. Ah, ils sont pleinement contents. Paysans pleinement contents, citoyens pleinement contents, enfin satisfaits. On demande pas plus, on demande juste satisfaits. Construction du navire terminée. Hop, on a un petit navire de guerre qui va se mettre sur la pointe et qui sera disponible pour combattre avec n'importe qui. Quelles manières abjectes! Petit coup de sauvegarde. Là, on est bien dans le jeu. Il faudrait juste que j'ai une armée suffisamment importante pour arriver à nuire vraiment à quelqu'un. Alors, il y en a un qui est un peu abîmé. Et l'autre. Qui retourne au milieu. Déjà, la marine, c'est fait. On a la marine pour nuire à n'importe qui. Ne laissez jamais les gens tranquilles. Non, je vais pas te laisser tranquille. Je vous demande de partir. Non, dans 6 minutes 15, je veux bien partir si tu veux. Je pense que. Ah non, il est justement en train d'arriver. Va falloir qu'on se batte. Alors les champs de soie ils me rapportent rien, ils me coûtent. Donc on va les couper. Et les fermes d'épices elles sont trop loin. Je serais heureux de vous aider. Je suis pas sûr de vouloir garder tout ça. Terre en vue. Vous cherchez vraiment des ennuis, pas vrai? Annihiler l'ennemi. Alors c'est toi qui viens t'installer à côté de moi et qui dit « Oh, vous cherchez des ennuis !» Ce navire n'est-il pas merveilleux? Je devrais l'appeler Constanza. Oh, je m'y attendais tellement. Ah, zone militaire ennemie. Les navires de commerce transportent des nouvelles marchandises en provenance de l'Empire. Ah c'est elle, bon, on s'en fiche. C'est elle qui vient s'installer là, non c'est lui. Je ne vous ferai pas de cadeau cette fois. Va se faire crever vite.
Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Mon blague. Je me fiche bien de ce que vous voulez. J'aurais dû laisser les champs rien que pour l'embêter. Ah, il va tenter de conquérir cette zone. Donc il va falloir aller se battre. Ou alors on fait la paix avec lui. Qu'est-ce que vous espériez? Que j'allais sauter de joie? Pourquoi pas? Ne vous fatiguez pas à éplucher le contrat, une simple... Vous êtes une véritable mine de bonnes idées. Et voilà, on t'a sauvé ton truc. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, j'aurais pu le tuer d'abord. Il peut débarquer, mais c'est chez moi. Je suis peut-être important à vos yeux, mais je m'en moque. Je naviguerai jusqu'où? Une transaction honnête et tout. Bon, j'ai plus d'adversaire du coup, sauf lui. Pour le tuer, il faut aller sur son île principale. Et ça va être la fin de l'épisode. Au revoir.